vous voyez, tous ces différents plaques, ça font, ils font partie d'une grande composition. Justement, ce sont des grands tableaux que j'ai fait ici et je peins toujours sous le ciel, comme ça jamais dans l'atelier. Je travaille autant l'hiver comme l'été. Et donc, les tableaux sont morcelés parce que quand il y a beaucoup de vent, ou même quand il pleut, etc., je les couvre avec une bâche et c'est très facile. Je descends avec cette boîte jusqu'ici, avec mon sac à dos et la boîte qui contient les grands tableaux en morceaux. Et voilà, et je travaille les fragments 4 à 4, peu à peu, pendant des mois, jusqu'à ce que les tableaux apparaissent. Moi, j'aimerais que vous voyiez un tout petit peu l'ensemble de cette espèce de cirque, comme ça, cette sorte de labyrinthe de pierre où il y a plein de formes, de couleurs différentes. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et venez avec moi. Là, vous avez une vision globale de la beauté de ce site. C'est quand j'ai découvert cet endroit et que je trouvais extraordinaire en rapport avec mon imaginaire. Vous n'avez qu'à regarder. Et ce qu'il y a de très particulier, c'est qu'on ne trouve pas ce type de pierre ailleurs qu'ici à Saint-Jean. C'est un endroit où il y a deux entrées et on arrive à un espèce de cirque très intéressant. Il y a plusieurs grottes ici, il doit y avoir 8 neves, très très belles. Et voilà. Tu vois une entrée. Ça, au début du siècle, on a fait des photographies, on l'appelle les trépieds. Dis-moi, ouais, justement, tu m'as dit la presqu'île de Crozon, ouais. Et tu m'as dit qu'il y avait des falaises sublimes où Camaret, tu as dit hier? Camaret, oui. Camaret. Et non, après je passerai à faire de la sculpture, c'est autre histoire. Mais comme ça, les côtés cosmiques, je voulais les vivre ici, c'est suffisant. Vous imaginez? Et je travaille l'hiver aussi, j'ai eu des engelures mais délirantes. C'est très dur hein, de les faire hiver comme été, ce travail. Mais voilà, maintenant je commence à être costaud.